veulent nous voir morts, on est toujours là. Ils veulent nous voir morts, on est toujours là. Ils veulent nous voir morts, on est toujours là. Ils veulent nous voir morts, on est toujours là. Moi c'est Chidi, donc anciennement Vonce. Donc j'officie depuis le début des années 2000. J'ai produit notamment dans mes débuts la section d'assaut. Et là récemment j'ai eu la chance de placer aussi dans l'album de Jazzy Baz et celui de l'entourage. Moi je vais vous parler d'un style musical qui me tient à cœur, qui est le hip-hop de Détroit, qui a été notamment mis très en avant par un certain Jay Dilla. C'est un style de prod apparenté au boom bap, mais avec beaucoup d'accent sur le jazz et sur la soul. C'est très riche musicalement en termes de pattern de batterie. Il y a quelque chose d'assez riche. Donc, il y a un fameux batteur qui s'appelle Questlove, qui est le batteur de The Roots, qui a beaucoup mis en avant ce pas de batterie, cette façon de taper la batterie en live. À part Jay Dilla qui était le père spirituel de nous tous, on retrouve actuellement Kendrick, que tout le monde connaît, qui est fortement inspiré et qui s'est nourri justement de ce style musical pour développer quelque chose de plus actuel et de plus moderne. Après, tout le monde connaît Common, qui est l'artiste qui a marqué, qui a fait un album quand même phénoménal. Bon, évidemment, moi, par rapport à mon parcours personnel, y a Jazzy Baz, comme son nom l'indique, donc un rap un peu jazzy. Donc après avoir sélectionné ce qui m'intéressait le plus dans ce titre, ça donnait ça. Donc quoi, les machines moi que j'utilise dans Reason pour taper mes batteries, c'est le fameux Red Drum. Donc oui, c'est par là que j'envoie mes samples de batterie et ensuite je les joue sur mon pad. Donc là, en l'occurrence, j'avais écrit mon charlet et ma caisse claire qui sont vraiment les éléments les plus importants pour construire un groove. Donc, ça donnerait ça. Donc là, tout de suite, on a même une sensation de bascule. Donc maintenant, on va rajouter l'élément rythmique important, le kick, le pied. Donc ensuite, ce que je vais rajouter après, c'est des petits ajouts dans le sample. J'ai sélectionné un autre sample d'un autre morceau. Alors c'est souvent ça, on appelle ça du chop. Là-bas, c'est écrite. Dans la conception, voilà, un titre qui parle un truc un peu perché avec des éléments un peu improbables. Voilà. J'ai réussi à en tirer quelque chose.